Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Tu es né au Maroc, même d'origine algérienne d'ascendance. Mais tu as passé une bonne partie de ton enfance jusqu'à l'adolescence et même un peu après au royaume du Maroc, à Oujda. C'est dans cette ville que tu as fait tes études primaires et une du secondaire. Jusqu'à récemment, des personnes connaissant mal ta biographie pensaient que tu naquis en Algérie, mais c'est bien à Oujda, précisément donc au Maroc, où tu poussas ton premier cri le 2 mars 1937. Les historiens algériens, marocains, autant que français, en sont unanimes, et en tout cas, le registre d'état civil à Oujda le confirme. Et que de fois on t'avait remis des extraits d'actes de naissance du service d'état civil de ton arrondissement à Oujda, avant d'être président, mais même quand tu étais ministre. Alors, Bouteflika est né au Maroc. Il a vécu toute sa jeunesse au Maroc. Mieux encore, tu as failli être un policier marocain, car tu voulais vraiment être un agent de la police marocaine. Mais hélas, ta courte taille à l'époque était la cause du rejet de ton dossier de demande d'embauche. Tu vois, il te fallait juste quelques millimètres de plus en longueur pour devenir aujourd'hui un policier marocain à la retraite. Et il n'y aurait eu ni guerre des sables, ni bataille d'Amghala, ni l'affaire du Sahara. Car évidemment, tu n'aurais été ni ministre des Affaires étrangères, encore moins président de la République d'Algérie. Mais le destin en a décidé autrement, et cet autrement, c'est l'histoire dramatique maroco-algérienne. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Plus que ton ambition initiale de policier raté, tu caressais le rêve d'épouser une Marocaine, une charmante Marocaine, intellectuelle dont tu t'étais tant épris comme frappé d'un coup de foudre. Tu étais ministre des Affaires étrangères. Ce coup de foudre qui semblait t'avoir frappé de cette femme, aussi fatale qu'irrésistible, pour ne pas dire vamp, survint lors de la tenue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OEA à Rabat, en juin 1972, à l'hôtel Hilton, à laquelle tu participais. Tu venais à peine de terminer un discours élogieux sur les richesses de Gharadjibilet et sur Feu Hassan II, lorsqu'elle interpella Illico, l'un des grands journalistes et écrivains marocains, nommé Abdelkrim Ghallab, directeur du célèbre quotidien arabophone du parti de l'Istiqlal, Al-Alam, pour lui dire que tu ne devais pas te moquer des Marocains en les traitant avec légèreté sur cette question. Car plus qu'un problème de gouvernement, la question des frontières était une affaire de peuple, avait-elle souligné. Une vision qui plaira d'ailleurs au roi Hassan II, quand on lui aura rapporté l'événement dans la soirée. Et tu as aussitôt sursauté de ton fauteuil, comme affolé après avoir entendu ces propos si audacieux et francs, surtout en présence de la presse. Tant de personnalités, aussi bien marocaines qu'étrangères, étaient présentes, notamment des Français. Karim Lamrani était Premier ministre. Il y avait par exemple Osman, Dr Khatib, Hardan. Dlimi, chef de la sécurité, attentif à tes gestes envers cette fille. Il y avait des généraux marocains. Il y avait aussi Françoise Giroud, ancienne ministre de la Culture française. Sans oublier le célèbre journaliste Paul Balta du quotidien Le Monde. Cette femme-là s'appelle Fatima Alaoui. Une analyste en communication ayant fait ses études en Allemagne, directrice d'une revue avant-gardiste dénommée Ève 21, puis auteure d'une publication intitulée Ère Nouvelle. Elle était déjà présidente de la première agence de recherche au Maroc, future fondatrice du premier parti écologiste des Verts, et l'unique d'ailleurs à ce jour au Maroc. Et tu sauras bientôt qu'elle était une femme distinguée, audacieuse. Voilà quelle femme marocaine dont tu fus vraiment épris d'amour. Tu l'as courtisée lors de tes visites officielles ou privées, en mission ou discrètement. Certaines personnalités marocaines étaient au courant de l'histoire, à commencer par le très vigilant Idriss El-Basri. Ton amour pour elle n'était pas partagé, à tort ou à raison. Les jours, les semaines, les mois et les années qui s'écoulèrent ne faisaient que raffermir ton amour pour cette femme que tu avais demandé discrètement d'ailleurs en mariage jusqu'à ce printemps 1999 à Genève où les généraux d'Alger t'avaient côtoyé pour prendre le gouvernail de l'État dans le contexte politique que nous avons évoqué dans la vidéo précédente. Ce jour-là, à Genève, Fatima Alaoui était près de toi à l'aéroport de Genève
en accomplissant une mission, l'occasion de la charger de dire au roi Hassan II, je cite, « qu'aussi longtemps que tu resterais au pouvoir en Algérie, jamais tu ne lui déclarerais la guerre ». Mais Fatima n'a jamais voulu transmettre ce message au souverain. Intelligente était-elle en fait, car Hassan II aurait souri à entendre un tel message pour des raisons que le commun des mortels parmi les Marocains comprendrait. D'abord parce que l'armée algérienne est-elle vraiment capable de déclarer la guerre au Maroc et la ferait-elle, serait-elle sûre de la gagner? Et ensuite, avais-tu vraiment le pouvoir et l'audace de déclarer la guerre à Hassan II qui, lui, incarnait vraiment la volonté du peuple marocain, suite à la guerre des sables et, surtout, après la marche verte? À cela s'ajoute l'expérience et l'efficacité des phares, sur tous les terrains de bataille, en armement, en hommes, en stratégie de guerre et en esprit de combativité, convaincue qu'elle mènerait avec l'Algérie le cas échéant, en dernier recours, une guerre juste, de légitime défense par sa cause nationale et jamais une guerre d'agression. Le roi Hassan II sourirait enfin parce qu'il savait bien, comme tu savais toi aussi, que le régime algérien boumedieniste que tu cristallisais n'avait jamais cessé depuis presque un quart de siècle de mener indirectement une guerre non déclarée au Maroc par Polisario interposé depuis la bataille d'Amgala 1 en 1976. Ta déclaration à Fatima Alaoui n'était donc en fait qu'une promesse d'ivrogne, selon le proverbe français, car ton mentor et frère siamois boumedienne avant toi n'a jamais respecté la même promesse. Cette femme-là, malgré l'âge, est toujours en vie, vive et active. Là encore, Bouteflika, tu as raté autre chose au Maroc, ton plus grand rêve, ta rêverie d'amour, pour ainsi dire. Certaines rumeurs laissaient même entendre que cet amour, à sens unique, t'aurait poussé à renoncer définitivement au mariage, en épousant le célibat jusqu'à ta mort. N'aurais-tu pas été moins rancunier à l'égard du Maroc ? En influant sur le cours des événements et sur l'esprit de ton frère siamois boumedienne pour des relations maroco-algériennes moins tendues si tu avais gagné la tendresse de cette marocaine. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Tu avais donc le Maroc dans ton cœur d'enfance et d'adolescence, autant que l'Algérie dans ton cœur d'adulte et de vieux. Donc moitié marocain, moitié algérien. Même si tes racines sociales marocaines, insufflant dans ton cœur nostalgie et réminiscence à l'égard du Maroc et des Marocains, te poussèrent, consciemment ou inconsciemment, à être politiquement le plus proche parmi les Marocains du corps de leur souverain le jour de ses obsèques, en t'agrippant à son cercueil. Ce jour-là, le plus triste chez les Marocains, tu étais à 100% marocain, ô Bouteflika. Et tu as dû souffrir de la disparition de Feu Hassan II autant que les Marocains. Pourquoi autant d'attachement au royaume et au souverain défunt? Écoutons une explication de l'écrivain journaliste Mohamed Sifawi. Il y a, je crois, quelque part, quelque chose de, que les psychologues et les psychiatres devraient explorer. Puisque cette image que j'ai relatée dans mon livre, où le jour des funérailles de Hassan II, on le voit s'agripper. Ce n'est pas de moi, l'analyse n'est pas de moi, c'est un fin connaisseur et à la fois et de Bouteflika et du pouvoir algérien qui m'a brossé ce tableau. Il me dit, est-ce que vous avez vu le jour où il s'est agrippé au cercueil de Hassan II? Je dis oui, parce que c'est effectivement une image qui avait marqué à la fois et les Marocains et les Algériens, vu la tension ambiante qui a perduré depuis l'indépendance. Alors il me dit, ce geste, c'est de la haute voltige diplomatique, à première vue, ce qui est vrai, puisqu'avec un tel geste, on réconcilie quasiment deux pays. On voit un président d'un pays en train carrément de souffrir devant la mort du monarque contre lequel il n'a cessé de mener des offensives et lequel monarque lui rendait bien. Et il m'a dit, oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Il m'a dit, parce que vous ne connaissez pas Bouteflika. Moi, je le connais. Et je lui demandais donc de m'expliquer. Il m'a dit, Bouteflika a depuis toujours rêvé de parler d'égal à égal à Hassan II. Et en fait, il devient président algérien en avril 1999,
La première chose qu'il fait pratiquement, c'est prendre rendez-vous avec Hassan II. Rendez-vous est pris pour septembre. Et Hassan II lui claque entre les doigts. Donc, quelque part, il pleurait plutôt son sort, son propre sort, que celui de Hassan II. Il pleurait de ce rendez-vous manqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, les relations entre lui et le fils, entre lui et Mohamed VI, allaient être détestables, puisqu'il a pris de haut. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec Mohamed VI, avec un tel dédain, comme Hassan II s'était comporté avec lui. J'ai toujours été interpellé par les gens qui ont une attitude ou un rapport d'attirance-répulsion ou d'amour-haine à l'égard des choses ou des gens. Et Bouteflika fait partie de cela, sur plusieurs dossiers. J'en prendrai deux. Les Marocains. Bouteflika est plus marocain que n'importe quel Marocain. Mais en même temps, il déteste, ou il détestait Hassan II notamment, et aujourd'hui Mohamed VI. Il le détestait ou l'admirait ? Il l'admirait. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Ça relève de la psychiatrie. 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 C'est-à-dire quand on est dans un rapport d'amour-haine, il signait, comme je le rapporte dans mon livre, c'est son courrier, votre serviteur dévoué. Ou votre sujet, votre dévoué sujet, Abdelaziz Bouteflika, quand il écrivait au roi du Maroc. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Il ne se considérait pas comme un citoyen algérien. Ce témoignage n'émane pas d'un Marocain, mais plutôt d'un Algérien, de souche, de sang et de culture, un intellectuel bien connu des Algériens et en dehors de l'Algérie. Mohamed Sifaoui est auteur de plusieurs ouvrages sur notamment l'islamisme. Son dernier ouvrage, intitulé « Où va l'Algérie ?», édité en 2019, témoigne de sa large connaissance de l'Algérie et de ses dirigeants, de son système politique et de ses populations. Il connaissait donc bien Bouteflika. Alors, Bouteflika, le fait que tu te considérais donc comme sujet de Sa Majesté le roi Hassan II, donc de son feu père Mohamed V, que tu as dû voir ou connaître même très jeune, puisque tu étais de l'entourage de Boumedienne à l'époque, et partant sujet de Sa Majesté Mohamed VI par la dialectique des choses, car dans une logique monarchique que caractérise la continuité en loyauté dynastique, tu ne pouvais pas exprimer ton allégeance à un souverain sans l'avoir porté préalablement dans ton cœur envers son père, en l'entretenant, en conséquence, pour son fils, Sa Majesté Mohamed VI. Voilà ce que dicte la logique monarchique en termes d'allégeance à une dynastie, d'autant que tu as connu les trois souverains successivement. Toutefois, le fait que tu aies tenté d'étouffer dans ton cœur et ton esprit ta loyauté royaliste initiale de jeunesse et d'adulte envers la monarchie marocaine en te considérant sujet de Sa Majesté, en étant parfois plus marocain que certains Marocains, comme l'a souligné Mohamed Sifaoui, jusqu'à laisser naître en toi une haine viscérale contre ce même Maroc, cette ambivalence-là, en sentiment, ne s'expliquerait que par des facteurs psychologiques relevant de la psychanalyse politique. Mais n'était-ce pas parce que tu étais surtout un monarchiste libéral au fond de toi-même, sous ta carapace républicaine socialiste, même trop monarchiste si l'on en croit certains observateurs marocains et français? D'ailleurs, ne l'as-tu pas concrètement démontré, ton caractère monarchiste, par ton si long règne où tu ambitionnais encore 5 nouvelles années de pouvoir suprême, au-delà des 2 décennies consécutives de gouvernance absolue? N'en as-tu pas prouvé, en amendant davantage la Constitution, ton statut de monarque déguisé ayant déjà régné plus longtemps que certains rois dans l'histoire, tant médiévale que contemporaine, y compris chez les pharaons d'Égypte? Tu étais, avec tant de talent et d'ingéniosité diplomatique, en homme d'État exceptionnel,
mais tu n'en as rien fait qui pût rehausser ton pays au niveau du rêve géopolitique régional qui te caressait autant que ton mentor boumédien en voulant faire de l'Algérie la Prusse du Maghreb et la puissance dominante en Afrique du Nord, voire la première dans le continent. Votre merveilleux rêve de progrès socio-économique et de démocratie pour les Algériens, Boumediene et toi, jusqu'au dernier citoyen, commençant par le flah et l'ouvrier, n'était que chimère par rapport à la triste réalité algérienne d'aujourd'hui. Soit ni développement et prospérité pour le peuple algérien, ni union et coopération réelle pour les peuples du Maghreb, sauf la fermeture totale des frontières terrestres et celle de l'espace aérien algérien aux avions marocains. Cadeau en dernière date offert par tes successeurs peu après ton enterrement, juste peu après. Voilà, Bouteflika, que Dieu est ton âme, ce que tu as laissé derrière toi. En définitive, les généraux n'ont-ils pas exploité ta force politique, le poids et la dimension de tes relations au niveau international et ton aura tous combinés en 1999, en t'exploitant comme paravent et parapluie juridico-politique à leurs privilèges, leurs ambitions et leurs intérêts égocentriques durant deux décennies avant de te lâcher et te chasser sous la pression de la rue et du Hirak, au pire épisode de ta faiblesse politique, de ta maladie et ta faillite en relations humaines et politiques à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, puisque les premiers les plus empressés à t'abandonner à ton sort étaient justement les plus proches de toi, civils et militaires. Assombrissant davantage ton triste bilan de presque quatre décennies de fonction d'homme d'État, ministre d'abord et chef d'État ensuite, quel gâchis, quel dommage, quelle faillite, quel malheur pour ton peuple d'abord et surtout pour le Maghreb arabe ensuite. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Notre intervention ici ne relève pas ni de la propagande ni de la publicité pour une personne quelconque, physique ou morale soit-elle. Elle n'est non plus ni un réquisitoire, ni une plaidoirie contre ou pour quiconque, à commencer par toi-même, Bouteflika. Elle représente plutôt une démarche d'honnêteté, un moment de vérité sur ton bilan à l'égard de l'Algérie, certes, mais aussi envers le Maroc, où tu as vu la lumière qui t'a nourri, logé, scolarisé et entretenu en faisant de toi primitivement l'un de ses citoyens de ta génération. Donc au final, quel est l'intérêt global d'avoir évoqué dans cette vidéo tous ces liens à travers les personnes et les choses qui te rattachaient au Maroc et aux Marocains? Quel est le message de synthèse que devrions-nous formuler à la lumière de toutes les vérités étayées que nous venons d'exprimer publiquement pour la première fois? Eh bien, l'intérêt global et le message de synthèse à retenir et à transmettre tiendraient en ces quelques points à savoir. D'abord envers toi-même, Bouteflika, en ta qualité d'homme d'État que tu fus, ta marocanité originale, pour ainsi dire, aurait dû reconnaître et soutenir politiquement et diplomatiquement, et même militairement, la marocanité du Sahara, par moralité et par équité. Car au lieu de résoudre le problème du Sahara marocain créé de toutes pièces par toi-même et ton frère siamois, tu l'as davantage compliqué. Ta marocanité originelle, en termes de nationalité, n'aurait-elle pu ou n'aurait-elle dû concorder avec la marocanité territoriale du Sahara en termes d'intégrité en faisant corps ensemble? Alors, la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi avec ton côté marocain si fort, le plus fort par rapport à tous tes prédécesseurs et surtout à ton actuel successeur, tu n'as pas su t'imposer comme chef d'État de l'Algérie, le plus fort politiquement autant que Boumediene? Pourquoi donc n'as-tu pas su régler le conflit du Sahara qui opposait ces deux pays frères et voisins, le Maroc et l'Algérie, soit tes deux patries dans ton cœur, en donnant à chacune des deux 50% de ton amour et ta raison? Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Je sais que tu ne pourras pas répondre à cette question désormais, mais la réalité serait plutôt que tu n'as pas pu, et non pas tu n'as pas su. Car en définitive, en ce qui concerne la question du Sahara marocain, tu ne gouvernais pas réellement l'Algérie en chef d'État avec les prérogatives que te donnait pourtant la Constitution. Car, ai-je besoin de le rappeler, ce conflit-là est le seul véritable prétexte du pouvoir militaire à dominer le pouvoir politique civil de l'Algérie. Et sa raison d'être, sa raison de s'y perpétuer. Pourtant, tu prétendais être le prépondérant face aux généraux.
Feu Boumediene, quelques semaines avant sa disparition, allait rencontrer le regretté Hassan II en Belgique pour tenter ensemble de dénouer le problème du Sahara. Ce n'est plus un secret. À l'opposé, toi, tu as toujours évité de rencontrer le roi Mohamed VI pour suivre le chemin de Boumediene. Pourquoi ? Ensuite, envers tes successeurs, primo, les militaires, en leur rappelant qu'ils ne pourront jamais déloger les Marocains de leur Sahara en créant un état fantoche entre le Maroc et la Mauritanie, et qu'ils essuieront le même échec aussi cuisant que Boumediene et Bouteflika. Car comment pourront-ils réussir en héritier là où les auteurs de l'héritage même ont échoué ? Un triste et maudit héritage. Secondo, à Tebboune particulièrement, chef d'État, de savoir maintenant et plus que jamais que tôt ou tard, il finirait très probablement à disparaître, sinon physiquement et donc politiquement au préalable, du moins politiquement avant trépas, mais quasi certainement, pas plus honorablement, pour ne pas dire dans des conditions pires, que ses derniers puissants prédécesseurs, car il n'a ni le poids de Gaïd Salah, militairement parlant, et dont on connaît la manière dont il aurait été éliminé du pouvoir à la faveur des généraux. Autant que ce même Tebboune n'a point le calibre de Bouteflika, politiquement parlant, et dont on a vu dans la vidéo précédente comment fut-il chassé misérablement du pouvoir à la faveur des généraux également, et quelle forme d'obsèque lui a été réservée vers sa dernière demeure. Les généraux gouvernant Shingriha en tête seraient-ils plus cléments et indulgents envers lui, Tebboune, même si l'un ou plusieurs d'entre eux disparaissaient avant lui ? À bon entendeur, salut. À la prochaine rencontre, si Dieu l'admet, je l'espère.